President of the Rwandan Senate to address the Assembly, followed by Georgia. Mr. President, the floor is yours. Madame la Présidente de notre Assemblée, Monsieur le Président de la IPU, Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les dirigeants de nos parlements et des institutions législatives, les mots me manquent pour dire la joie de la délégation rwandaise de vous voir tous réunis ici. Après 2 ans de remise de cette assemblée, il y a un proverbe qui dit en Kinyarwanda que plus la grossesse dure, plus l'enfant sera robuste et bien portant. Nous espérons donc que les fruits de cette assemblée seront à la hauteur du temps que vous avez attendu de venir à Kigali. Encore une fois, merci. Merci à chacun de vous pour le voyage fait pour être avec nous. Le peuple rwandais, les autorités rwandaises sont vraiment ravis et reconnaissants de l'amabilité que vous nous avez faite de venir chez nous. Concernant le thème à débattre sur le genre, après le mot de son Excellence le Président de la République du Rwanda, après le mot de la Présidente de l'Assemblée, qui est aussi Présidente de la Chambre des députés au Rwanda, et même après les observations de ceux qui ont pris la parole avant moi, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Les prouesses que mon pays a accomplies en matière du genre ne sont pas un cadeau que nous, les hommes, avons fait aux femmes. Les femmes rwandaises ont mérité cette place. Premièrement, parce que après, malheureusement, la période sombre du génocide perpétré contre les Tutsis, le pays était totalement détruit, brisé. Nous risquions de n'avoir plus de nation, même d'État. N'eût été l'effort des femmes. À la fin du génocide, plus de 53% des femmes étaient chefs de ménage, avaient à leur charge la responsabilité du foyer, des enfants. Et quels enfants? C'était des orphelins le plus souvent. Elles ont assumé leurs responsabilités. La plupart des hommes étaient tués ou en prison ou réfugiés dans les pays voisins. Les femmes qui sont restées au Rwanda ont littéralement rebâti le pays. La place de première citoyenne leur revenait de droit. Bien sûr, après le rétablissement des autorités du gouvernement, le Rwanda a fait de l'égalité entre hommes et femmes l'un des piliers de sa politique de survie et de processus de transformation. Et au cours des 28 dernières années, nous avons constamment réfléchi et innové dans le but de réduire les écarts qui pouvaient encore exister entre les hommes et les femmes. Nous avons d'abord dû bannir de notre vocabulaire et de notre façon de penser les vieilles coutumes patriarcales
qui empêchait par exemple aux femmes d'hériter de leurs parents au même titre que les garçons. Il y avait aussi dans toutes les institutions des pratiques sexistes. L'égalité et l'inclusion se sont donc avérées être une bonne politique, car les femmes ont assumé leurs responsabilités et cela a eu un impact significatif, non seulement sur la reprise économique, mais également sur la stabilité sociale et la réconciliation nationale. Elles ont joué un rôle vital dans l'éducation des orphelins, le soutien aux veuves et l'établissement de la vérité, parce que malheureusement ou heureusement, il fallait aussi punir et rechercher les coupables du génocide. Et ces femmes, souvent, très courageusement, ont témoigné et on a pu connaître la vérité sur ce qui s'était passé. Excellences, honorables, distingués invités, tout cela n'aurait pas été possible si nous n'avions pas changé nos lois, à commencer par la Constitution, qui a été révisée et qui est rendue sensible au genre, notamment en décrétant qu'au moins 30% des positions dans les postes de décision devaient revenir aux femmes. Je vous assure qu'actuellement, les 30% sont même dépassés, ne sont plus qu'un souvenir, puisque la plupart, nous avons la parité. Même dans les partis politiques, la parité est de rigueur dans les sociétés privées, mais au Parlement, comme vous le savez, les hommes sont minoritaires, parce que plus de 60% sont femmes. Excellences, mesdames et messieurs, notre expérience au Rwanda nous guide aussi dans nos engagements bilatéraux et multilatéraux en faveur des femmes partout au monde et surtout en faveur des plus vulnérables, que ce soit dans les missions de stabilisation de la paix et de maintien de la paix ou les décisions d'accueillir ici au Rwanda, par exemple, après la guerre en Afghanistan, nous avons accueilli une école de femmes qui fonctionne très bien. Certes, nous n'avons pas atteint à 100% l'égalité des femmes, mais nous essaierons et nous avons établi un monitoring center pour veiller à ce que dans toutes les institutions, l'égalité du genre soit respectée, même dans le budget national. Excellences, en conclusion, je voudrais encore réaffirmer l'engagement du Parlement du Rwanda pour apporter tout son soutien à la mise en place et à la mise en œuvre d'un plan d'action de l'Union interparlementaire en faveur des parlements toujours plus sensibles aux femmes. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Mr. President.